Let's go les potos, on est parti pour la première game sur le nouveau patch de Fortnite. Et regardez un petit peu cette map, regardez cette map, il y a des nouveautés. Il y a Tilted Towers qui est tout nouveau, une énorme ville, Junk Junction aussi au nord-est. Ouest, oui. Ouest à gauche c'est l'ouest. C'est l'ouest, nord-ouest. Bonjour Théo, ça va? Salut à tous, salut. Je suis avec mon pote, on est en duo. Il y a aussi Shifty Shaft. C'est dur à dire. Shifty Shaft, c'est dur de ouf à dire. Bon, en tout cas, beaucoup de nouveautés. Je pense qu'on va aller Tilted. Ça te va? Ouais, ça me chauffe de ouf. Vas-y, Tilted. Moi, j'ai vu vite fait, hein, là, c'est notre toute première game, donc on découvre, le patch vient juste de se up. J'étais impatient de tourner cette vidéo pour pouvoir recorder un peu, pour pouvoir tester. Parce que c'est vrai qu'avant, nous, on allait beaucoup à Retail. Il y a encore... Oh, il y a quelques mecs qui sont allés à Retail, tu vois. Mais c'est vrai que les gens regardaient un petit peu cette ville juste ici, là. Ça, c'est Tilted Tower. Je pense que c'est... Attends. Mais ça a l'air d'être la plus grande ville, en fait. Hein, de... Je pense que c'est la plus grande ville, ouais. Parce qu'elle a l'air ouf. À côté, là, c'est Shifty Shaft. Et tout là-bas, en haut à droite, là, c'est... Eh bien, c'est notre fabuleux Junk Junction. Bon, on va voir. De ce que j'ai vu dans la vidéo de présentation Fortnite, là, du patch, c'est qu'il y a des très, très grands toits. Il y a l'air d'avoir beaucoup de tops. On va repérer un peu les coffres et tout. Et on va surtout essayer de... Viens, on va au fond. Avec l'horloge, là. Ok, je vais peut-être un peu court, donc je vais arriver en bas de l'horloge. Mais... Ok, non, je check, parce que souvent, il y a des coffres dans les... Ok, il n'y a pas de coffre, là, dans le gratte-ciel. Moi je vois un coffre là dans le gratte-ciel. Ah non, non même pas. Ok, moi je me suis foutu au milieu, moi. Oh, ok, quel enfer, ça commence bien cette game. Ok. J'ai une arme. Ok, j'ai mis un down. Pas mal. Oh, j'ai mis 61 autre mec. C'est pas mal le top. Ok. Ok, ok, ok. Eh bah super. Je me suis fait laver sur un gratte-ciel mec. Donc c'est toi contre la nature désormais. Ok, j'ai mis un autre mec down. Bien joué, bien joué. Ah, c'est vrai que du coup ça va faire plein de strats et tout en duo et en squad. C'est pas mal là le gratte-ciel. Oh. Oui, oui. C'est ultra solide mec. Je pense qu'il faut jouer un minimum safe parce que là comme c'est... genre comme c'est le début, je pense que tout le monde va ici, je sais pas combien il y a de mecs dans la ville mais... Enfin, tu vois la kill feed, ça se lave. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, ouais. Il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup. Or que pourtant, on est en duo, donc forcément. Moi, j'ai envie de repérer un peu aussi les. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a deux mecs, Bien joué. Let's go, boys! Mais t'es monstrueux, mec. Hein. Bon, pour l'instant, on est bien là. Pour l'instant, on est pas mal. C'est con que tu sois mort, quoi. Attends, ouais, en plus, c'était à une balle près. Ah, c'est la vie, hein. Il est encore là, lui, là? Oula. Oh. On l'a traversé. Ah, c'était solide, hein, c'était propre. Hein. Spider-Man le mec, il va d'immeuble en immeuble. Il y a un coffre ici, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait les immeubles sont tellement près. Ouais, et puis tellement haut, non mais c'est trop bien, mais même... là cet immeuble là, il est ultra stylé, hein. Il y a je sais pas combien d'étages et tout. Ok, j'ai eu mon kill sur... Ouh, ça shoot pas loin. J'ai eu mon kill sur le mec juste à côté. Attendons de voir, pour l'instant je kiffe putain. Ah non, c'est vraiment pas mal, moi là de ce que j'ai vu. Genre là j'essaie juste d'aller en haut et c'est tellement galère de juste monter dans un immeuble. Les possibilités sont... Les possibilités sont ouf quoi. Oh, ok, donc ça c'est... Par contre, construction, il y a le coffre qui est là. Voilà, ouais. Le coffre juste ici. Bon, il y a des mecs là qui viennent de se laver juste à côté de moi aussi. Je vais mettre comme ça. Bon, ça peut être compliqué parce que forcément on est en... On est contre des duos. Du coup, ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais à voir. Je pense qu'ils étaient là, les mecs que j'ai tués. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ils étaient là. C'est ça. Bon, après, là, tu t'en sors bien quand même. T'as un vrai niveau. Hein. Bah, je suis à 6 kills là, donc ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'as lavé 3 duos, tranquillement. Non, je crois qu'il y a des mecs. Je crois que j'ai eu un gars en solo, quoi. J'essaie de repérer là, un du coup, peu. C'est niqué 6 mecs, il y en a 2 que t'as tués. Ouais, pardon, excuse-moi. Aucun souci, excuse-moi, je vais pas te déranger dans ton gameplay, mec. Putain, mais bon. C'est incroyable le nombre d'endroits qu'il y a et tout. Bah, en fait, il y a tellement d'endroits à checker que c'est pour ça que là je suis un peu. Il y a plus de loot, du coup. J'ai l'impression qu'il y a plus de loot, ouais. Bah, c'est pas plus mal, hein, parce que certaines personnes se plaignaient un peu des loot et tout. Okay, donc là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ah, cool, on va prendre ce spot à chill. Non, le but là, c'est surtout repérer un peu les endroits importants de. Oh, il y a le marqué avec un fusil de sniper à 33 mètres. Tu vois la distance. Tu vois la distance. Mais c'est trop bien. Mais là, honnêtement, je trouve qu'ils ont frappé un grand coup, hein, parce que
La map pour l'instant a l'air cool. C'est super fort. C'est là-dedans ça là. J'essaye. Oh ouais, d'accord, putain, mais les loots. Il y a plein de nouveaux spots et tout en fait. Il y a un mec, je crois. Ouais, non, j'ai vu un mec là devant le camion de glace, mais j'ai peut-être rêvé. Peut-être confondu avec un élément de décor, c'est possible. Bah. Comme vous voyez, hein, je gère bien mes duos, quoi. C'est-à-dire que je prends pas n'importe qui en duo. C'est Théo qui est avec moi, qui est mon futur coloc, si vous voulez tout savoir. Du coup, on se fait des petites games de temps en temps. Et là, avec la mage, on était tous les deux chauds pour jouer. T'es mort où, toi? T'es mort dans le toit? Il y avait full mec? Il y avait un mec. Mais je suis mort encore derrière, là. En gros, derrière toi, si tu veux. En gros, là derrière, t'as un contrebas avec un autre immeuble encore là. Tu vois, là dans le trou, c'est à ta droite. C'est un délire, là. Putain. Et voilà, je suis mort là sur ce toit là, le toit qui est à ta droite, là sur ce toit là. Ah, mais moi, ça me fait impressionner quoi. Ah ouais, c'est. Je suis assez impressionné aussi parce que. Enfin, Fortnite paraissait pas du tout vide déjà par rapport aux autres Battle Royale, tu vois, par rapport à PUBG et tout ça. Ouais, c'était déjà super dynamique. Mais là, est-ce que du coup, ça va pas être un peu trop dynamique justement? Bah, je sais pas parce qu'il y a tellement de villes en fait. Donc tu vas pouvoir avoir un peu de tout, tu vois. Je sais pas à quelle vitesse, tu vois, parce que là, il y a énormément de monde qui drop ici. Mais du coup, combien de monde y avait de gens à retail et tout? Monsieur, il y a quelqu'un, il y a un duel, là. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Tu m'as pas vu. Oui, il est là. Tout droit, tout droit, tout droit. Tu as pas vu? Non. Il est tout droit. Bien joué, mec. Choisis bien ses duos, mec. On choisit bien ses duos. C'est vrai que tu me donnes l'info. Par contre, il y a son mec dans le coin, tu l'entends? Non, j'entends pas. Ah non, c'était peut-être toi. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'entend plus fort, par contre, dans les pas. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'entend très très fort. Ouais. Bon bah, je sais pas trop où il est, lui. Son mate. Au pire, peut-être. Enfin, je sais pas ce que t'as comme stuff, parce que je vois pas en mode spec, mais. Je suis pas mal, hein. Il manque juste peut-être un petit snipe. Après, t'es à côté de la zone, donc ça va. T'as construit en l'air. Un petit snipe ferait plaisir. Mais j'ai vu personne avec des snipes là, j'ai même pas entendu des gens tirer avec. Ah, y'a un coffre ici là. C'est pour nous, y'a un coffre. Oh, mais c'est tellement grand, c'est un vrai délire. Ah bah voilà, un coffre de plus. Comme je dis, notez un peu où sont les coffres et tout. C'est pas ça que je vais faire, obviously. Notez un peu où sont les coffres et tout, parce que c'est ça qui fera la différence entre. Ah, entre vous et les autres. Entre un mec qui va savoir exactement où aller, où récup du loot et tout. Bon bah du coup on est dans une game tendue contre des duos. Ok, là-dedans je pense qu'il pourrait avoir un coffre. Sur le toit, tu l'as vu, il a un snipe, gaffe. Ok, j'avais pas vu. Je pense qu'il faut pas que tu le prennes celui-ci parce que tu l'auras pas. En contrebas et tout, tu vas te faire fumer la gueule. Là il t'attend, regarde le mot. Il a pas de snipe là. Ah, il a pas de snipe. Putain, il t'a mis une vraie balle du coup. Ok, lourd. T'as touché, je sais même pas si tu touches du coup. Je pas touché. Okay. Oh, je suis vraiment le pire joueur. Il se barre là vraiment? T'inquiète ouais, même pas que toi, mon pote. La chasse est lancée! Oh, par contre, ouais, du coup. Il est horrible lui. Mais putain, mais j'arrive même pas à le tuer. Oh, mais quel enfer! J'ai été si nul. Tu sais, j'allais dire le skin ne fait pas tout, mais j'ai eu peur qu'il te mette une balle à ce moment-là. Ah ouais, ouais, non, ça a failli être terrible. Et du coup, il n'avait pas de snipe, en effet. En effet, en effet. Oh l'enfoiré. Ah, c'est rude. Ah, c'est rude. J'ai plus le paramètre de build. De ah, ça a enlevé principal. Les touches du mur principal. Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais c'était une bonne game quand même, hein. C'était une bonne game. Bon, bah voilà, on a découvert un petit peu la folie de Tilted Tower. C'était bien cool. Bon, bah on s'est fait laver. Je me suis fait laver par un bazooka. J'avais pas encore tout bail, mais pour l'instant, j'ai bien aimé. Théo, t'en as pensé quoi? C'était bref. Toi, c'était très bref, ta game. Moi, c'était 20 secondes de gameplay. J'ai kiffé Tilted Tower. C'était incroyable. Non, honnêtement, on va faire d'autres. Il y a aussi quelques nouveautés, parce que c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Ils ont rajouté des choses, typiquement les paliers du pass de combat. Moi, j'en ai acheté un peu. Qui sont moins chers. Je crois que c'est à 900 pour 10 paliers au lieu de, si je dis pas de bêtises, 1500, 1600. Ils ont fait quelques changements, voilà, sur les passes de combat et tout. Ils ont aussi fait des changements sur les loots. C'est plus possible désormais d'avoir tu sais, la RACOG là, la M4 ACOG. Ah bon, si ouais, dans les loots, c'est impossible. Ah, bah, c'était okay, trop chiant.
Oui, c'est vrai que moi, au moment où tu ouvrais ta caisse et que tu te trouvais sur le x4, t'étais en mode... Tu prends full risque pour avoir en late game un loot, t'arrives, t'attends soit un bazooka en or, soit un snipe, un truc un peu cool, tu te retrouves avec l'AR ACOG, j'ai pas trop aimé. Et ils ont changé aussi le viseur de l'AR ACOG. Ce que j'appelle l'AR, c'est l'AR, enfin c'est la M4 avec viseur quoi. Et ouais, chelou là. Ouais, et à ce qui paraît, ils ont mis un viseur assez normal, donc un peu viseur de snipe quoi, donc plutôt cool. Ils ont aussi corrigé pas mal de bugs. Typiquement, moi, j'ai deux écrans et maintenant, avant ça s'ouvrait toujours sur le mauvais. Je sais pas si ça te l'a fait aussi toi. Ouais, ça m'a ouvert sur le bon écran et j'étais heureux. Bah putain, c'est trop bien parce qu'avant ça s'ouvrait pour le mauvais, donc si vous avez qu'un seul écran, vous pouvez pas comprendre, mais ça s'ouvrait sur le mauvais, donc à chaque fois t'étais obligé de faire tout un changement de fenêtré, etc. pour repasser sur le bon. Petit big up à tous ceux qui ont deux écrans, qui ont dû vivre ça. Donc voilà, beaucoup de nouveautés qui ont été apportées, que ça soit en live, de toute façon twitch.tv/domingo, on est en live quasiment tous les jours sur du Fortnite, sur d'autres jeux, 60 secondes, League of Legends, plein de jeux. On testera un peu aussi les autres villes, voilà, je vais juste vous montrer un peu... un peu parce que de net Tilted Towers, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Je pense que Fortnite a vraiment frappé un grand coup parce que j'ai juste peur en fait, comme on dit, que il y ait le côté en fait Battle Royale survie un peu moins fort et que les games aillent trop vite. Parce qu'une game de Fortnite durerait entre 20, allez, entre 17 et 25 minutes à l'heure actuelle. Ouais. Là, si ça les raccourcit à 15-20 minutes, ça peut peut-être être un peu trop court. Mais voilà, vous me dites de toute façon, vous allez tester hein, vous aussi les différentes. J'imagine que vous allez tester tout simplement la mage. Hein. Vous me dites un peu ce que vous en pensez. Moi, je vais continuer. On va continuer de tester les différentes autres villes. Ce que ça donne, t'as pu tester, toi, d'autres villes J'ai fait une petite game avant qu'on tague ensemble. Là, ouais. Et je suis allé à la mine et c'était l'enfer. Mais genre vraiment l'enfer. Pourquoi c'était... Beaucoup de gens En fait, il n'y a que des pompes à loot. Enfin, j'ai eu l'impression. Et tu rentres et ça tire des coups de pompe de partout. T'es en mode, est-ce que je peux avoir une arme? Excusez-moi. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, ouais, c'est soit t'as un pompe, soit t'en as pas, quoi. Mais mais je trouve ça, j'avoue que ça rajoute quand même sur la map une quinzaine, 20, 25 off peut-être, tu vois. Donc c'est clair, beaucoup plus de loot. Donc je pense en section, ça va être beaucoup plus stratégique. Je pense, le jeu en section, donc en team, va être encore plus intéressant. Mais ouais, c'est clair, moi j'ai bien kiffé en tout cas, et je trouve ça cool, qu'il y a un petit peu de renouveau, un petit peu de boost tout simplement, des bugs qui sont corrigés. C'est comme les bugs où tu construisais et tu passais à travers, bon, c'était un peu chiant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein mal de bugs qui ont été corrigés. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens en parler, tout ça, j'ai vu pas mal de trucs, et ça a l'air d'être pas mal, même en termes de performance et tout. Moi, je suis pas un PC incroyable et ça tourne bien, c'est mieux optimisé, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux optimisé. En tout cas, c'est une impression pour le moment, quoi. J'ai joué 20 secondes, encore une fois. On va pas trop s'avancer. C'est vrai que c'était court. Ton expérience était courte. Non, mais là, le niveau rigole plus. Hein. Ça part dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, vous me dites un peu dans les commentaires. Voilà, c'était juste un petit gameplay pour vous présenter Tilted Towers. Bon, on n'a pas fait une game de ouf, mais on était en 1v2. Excuse-moi, Théo, de te dire ça. Aucun souci, c'est la réalité. Il y a un moment, faut l'assumer. Je sais pas combien de kills j'ai fait. 7, 6, 5, 6, 6, je crois. 6. 7, je sais pas, bon, vous 6, me direz, 7, ouais. c'est allé si vite. Mais ouais, non, c'est clair que va falloir faire attention au gratte-ciel, parce que voilà, Fortnite, c'est un jeu où le fait d'être plus haut que l'autre est très important. Donc là, comme il y a des bâtiments très très hauts, un peu à la H1Z1, ça me fait penser, et ben va falloir un peu build, va falloir se concentrer là-dessus. Vous me dites un peu tout ça, nous on se retrouve en live, on se retrouve sur YouTube, je vous fais des gros bisous. Passez tous une très bonne journée. J'attends de voir un peu, bon, pas forcément via ma vidéo uniquement, mais au moins, moi, c'était la vidéo spéciale Tilted Towers. C'était la vidéo Tilted Towers. Exactement, je vous fais des gros bisous, je vous aime, à la prochaine. On va faire un foot. On va faire un foot dans le gymnase. Trop bien. Regarde, on voit le terrain sous le toit transparent. Tu le vois? Ah ouais, putain, c'est comme le 5. Oh, je vais t'éclater. Hein. Vas-y, mais comment ça marche? Attends. Viens. Oh, c'est trop bien, c'est si fluide. Allez, 1-0 pour moi. Oh, j'ai mis le ballon là-bas. Mais vas-y, mais ça, c'est ton but, ça. Hein. Vas-y. C'est parti. Oh, incroyable. Le bloc. Hop, ok. Bon, attends, parce que vas-y, c'est parti, 0-0. Oh là là, mais on sent, mais ça va être incroyable en 2v2 et tout. Clac. Mais dégage. Dégage de là. Let's move. Non. Et il est où le ballon? C'est si fluide, il m'a dit ça en mode c'était le nouveau FIFA, quoi, le gars. Ça lag quand même pas mal. Lâche, je te mets. Hop, le débordement. Tu m'as bloqué. Je te laisse pas passer. Quoi? Il est où? Non. Oh oui. Non. Oh non. Oh, très aigué. Oh, David, c'est la barre. Oh non, y'a un mec. Joue avec nous. Il veut nous fumer. Non, il veut jouer. Joue au foot. Non. Il s'en bat les couilles, lui. Tiens, joue au foot la prochaine fois, toi. Monsieur. Oh, ah.
Vous allez jouer au foot, ok? Messieurs, vous ne rentrez pas dans le match comme ça. Eh, c'est incroyable, il t'a tué? Ah, il m'a fumé. Oh, mais quel petit bâtard. Or qu'on partait. Eh, c'est excellent ce truc de foot là. Ouais, c'est super drôle, ouais. J'ai une tribune, hein. J'ai... On dirait le stade municipal d'un village, tu sais. C'est trop ça. Eh, mais moi, je veux des supporters et tout, hein. Attends, mais fais voir le truc de score là. Avance, tu le vois là? 1-0. 1-0, ah ouais, putain. Ouais, c'est parce que je t'ai mis un but, mec. Eh ouais. Ah, par contre. Ils sont pas fair play quoi, le prix de l'entrée. Et le ballon, il est où? Ah non, mais il l'a détruit là, c'est toi qui a détruit ça là. Ah, c'est moi avec la grenade, bon, alors, du coup, je vais égaliser quand même. Ah, si j'y arrive. Et tu mais peux coup, c'est dans les je peux pas avec les armes. Oh non, attends. Oh non, oh, c'est vraiment du David Trezeguet là. David, ça commence à faire beaucoup là. J'ai mis où le ballon? Mais c'est pas facile hein, de se diriger. Attends là, si je vais tout droit. Mais des vrais soucis, hein, des vrais soucis de finition. Oui. Et là, ça va le mettre le 2-0 ? 2-0 ! Eh, c'est vachement bien en tout cas. Et il y a un petit sifflet et tout. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Ok ! Bon, bah en tout cas, voilà, il y a aussi ça, il y a aussi du foot, il y a plein de trucs. Et je trouve ça incroyable, honnêtement, je kiffe.